Et comme ministre de la culture française, qu'est-ce que vous pensez d'un festival comme celui-là d'ici de, Pour moi, c'est un grand bonheur. Je soutiens ce festival depuis le premier jour. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans même, il y avait le projet de festival ici. Et j'avais apporté mon soutien personnel. Malheureusement, il y a eu le Covid qui a interrompu le festival. Et depuis, j'assiste chaque année au festival. Et ce festival s'améliore année après année. Et aujourd'hui, il est devenu le grand festival de toute cette région du monde. Pensez-vous qu'un festival comme celui-là d'ici, ça peut aider à changer un peu la façon de vivre de ce pays ? La culture, ça peut changer la façon de vivre ? Mais ce festival, oui. Mais beaucoup d'autres choses se passent en Arabie, vous savez. Aller à Riyad, il y a des fêtes tous les jours. Aller pas loin d'ici à Al-Ula, il y a l'aménagement d'un site admirable. L'Arabie, aujourd'hui, accomplit une véritable révolution culturelle. Pas seulement par ce festival, mais à travers la musique, à travers la peinture, à travers l'archéologie, à travers la lecture. Ça, c'est formidable. Super. Merci beaucoup pour votre temps et profitez bien du festival. Et merci à vous. Merci. Ciao.